Everybody just bow head forward of prayer tonight. Almighty God, we thank you again for your love and mercies. For another day, another time in thy presence, O God. Here we come, O God, the way we are, knowing that there's nothing good that can come out of a man. But we come with a humble heart in thy presence tonight, O Lord. And we want to surrender our lives in thy hands. Come and take away any unbelief, any sin, any iniquity in us, O God. And come and have thy own ways in our midst. As we commit the whole service in thy mighty hands, O Lord. O Lord, we are trusting just your promises and your word that never fail. As we abandon everything in thy hands, O God. Come and speak to us as we are approaching your divine presence. We don't want to come as cowards, O Lord. But we pray that you'll take away anything that will hinder you from coming down, O Lord Jesus. Bless the word that will be preached. Bless your servant. Bless your people as they come with a heart that is hungering for you. O Lord, come and receive thy own glory. May you bless the song that we sing, O Lord. Bless the offering and thighs. Bless your people wherever they are, at home or here. Oh Lord, we are here for one purpose, just to lift your name on high, oh God. And come and bless your people. We trust your word tonight. Come and open our eyes that we can see, and open our ears that we can hear what you want us to hear. As we surrender everything in our hands, in the blessed name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen and amen. God bless you. You might be seated at this time. Oh, can we have a hair bite, please? Everywhere, and he knows my every care. I'm
Amen. He has promised to be with us, in us, until the end of the world. Amen. Let's just take the offering at this time as we sing Redeemed. How I love to proclaim it. Comes all ye saints, Jesus the light. Jesus.
bless you all. Jesus, the light of the world. I feel like singing another song. I'm happy in the Lord anyway. Privilege to be back in the house of the Lord. C'est un grand privilège d'être de retour dans la maison du Seigneur. And I'm happy to see all of you that have made it today. Et heureux de voir chacun de vous qui est venu aujourd'hui. Amen. Yeah. I can't wait to come to church. Je peux pas attendre pour venir à l'église. I will never be satisfied with a live stream. Je peux jamais être satisfait avec la transmission en ligne. It's an option. C'est une option. Because of the pandemic. À cause de la pandémie. But it will never replace, as Donald Trump said one time, he tried to go online, it doesn't work. Mais ça va jamais remplacer. Vous savez, Donald Trump a dit qu'ils ont essayé de se suivre en ligne, mais ça n'a pas marché. Amen. Amen. Yeah, we need to see each other and say hi. Nous avons besoin de se voir les uns les autres et puis de se saluer. Because we can't visit at home. Parce qu'on ne peut pas se visiter à la maison. But I think it's an opportunity at least we can see each other here. Je crois que c'est une occasion qu'on peut se voir as les uns les autres. Been allowed for 25% of the church capacity. Il nous a été autorisé 25% de la capacité de l'église. So we can at least meet around 50 people here. Alors on pourra alors avoir environ 50 personnes ici. So God bless you all. Alors que les seigneurs vous bénissent tous. So today, aujourd'hui, I was planning to start a series that I wanted to start for a couple of weeks. Je pensais commencer une série que j'avais prévu pour il y a deux semaines. Given that we've been talking about the lamb and the two horns. Étant donné que nous parlions de l'agneau et les deux cornes. And I thought maybe so many people have never heard about this seed. How it's coming to a maturity. Maybe we should go through showing how. Je pensais comme plusieurs personnes peut-être n'auraient jamais pu entendre parler de cette semence qui arrive à la maturité, qu'on devait montrer comment ces choses se développent. So I want to touch a few principles in the church book as we go along. Et je pensais toucher certains principes dans les livres d'âge de l'Église alors qu'on avance. But then when I was praying today. Alors que je priais aujourd'hui, and something came on my heart. Et quelque chose est venu sur mon cœur. And I want to share with you today. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Amen. Amen. So we shall continue with what I wanted to preach maybe on Sunday, if the Lord's willing, if things don't change. Dieu voulant, si les choses ne changent pas, je pourrais continuer le dimanche avec les sujets que j'avais commencé. We are always waiting upon the Lord. Amen. Parce qu'on s'attend toujours au Seigneur. God bless you, musician. Dieu bénisse. And if you don't mind, we can stand as we read the word of God. On peut se lever pour pendant qu'on lit la parole. We're going to read in Psalm chapter 46, verse 10. Nous allons lire dans Psaume 46, 10. Psalm 46, verse 10. Verset 10. It's a scripture that you know because it's always on the scripture. It's there. C'est une écriture que vous connaissez parce que elle est toujours là devant vous. Alléluia. Ça se trouve juste là.
Be still, know that I am God. I will be exalted among the heathen, and I'll be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Amen. Let us pray. On va prier. Our gracious Heavenly Father, notre gracieux Père Céleste, what a privilege once again to come into your presence. Quel privilège une fois de plus de venir dans ta présence. Lord, we thank you for bringing our steps together tonight. Seigneur, nous te prions d'avoir réuni nos pas ensemble. Father, as the prophet say, your children has brought your presence in this place. Père, comme ton prophète le dit, tes enfants ont apporté ta présence ici. The Bible says that wherever two or three shall be gathered in your name, you shall be in the midst. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu seras parmi eux. Father, this church as a building doesn't hold the presence of God. Père, ça c'est un édifice qui ne garde pas la présence de Dieu en soi. But you have made, you have given people's heart that you may dwell in their hearts, O God. Mais tu as donné aux hommes des cœurs pour dans lequel tu pourras habiter. As we gather together, Lord, we bring each one his lake of fire. Alors que nous sommes réunis ensemble, chacun apporte sa langue de feu. Father, we pray that you bless the service. Seigneur, nous prions que tu bénisses le service. You take me out of the way. Que tu m'aies du chemin. You speak unto your children. Que tu partes à tes enfants. You know what they have need of, Lord. Tu sais ce dont ils ont besoin, Seigneur. Father, I won't be able to really to meet the expectations. Seigneur, je ne serai pas capable de survenir à leurs besoins. But you, God, can do that. Mais toi, Seigneur, tu peux le faire. So we are calling you on the scene tonight. Alors nous t'appelons sur la scène cet après-midi. That you may meet the expectations of your children. Pour que tu puisses satisfaire aux attentes de leur cœur. You may raise them higher, Lord. Que tu puisses les élever au haut, Seigneur. You may give them strength, Father. Que tu leur accordes la force, Père. That they may meet the challenger, the enemy, the devil. Afin que lorsqu'ils vont rencontrer le défi du diable, l'ennemi, in this neurotic age, oh Father, dans cet âge people don't know what to do, où les gens ne savent pas quoi faire, Lord, we have our eyes turned onto thee. Seigneur, nous avons nos yeux tournés vers toi. You are the author and finisher of our faith. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Bless those who made it tonight. Bénis ceux qui sont venus ici. Bless those who are in their homes, Father. Et bénis ceux qui sont chez eux, Père. Let the angel of your presence visit each and every one of us, Lord, tonight. Puisse l'ange de ta présence visiter tout un chacun cet après-midi. May you forgive our sins and iniquities, Lord. Que tu pardonnes nos péchés et nos iniquités, Seigneur. Anything that can hinder you to move on us on our midst today. Tout ce qui peut t'empêcher de te mouvoir parmi nous aujourd'hui. Father, take it away, Lord. Père, ôte cela. Let your precious blood cleanse us all. Que ton sang précieux puisse nous nettoyer tous. And let your mighty hand be revealed in our midst. Et que ta parole soit. Your mighty hand be revealed in our midst. Et que ta main puissante soit révélée parmi nous. In Jesus' name we have prayed. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen. Amen. God bless you, may be seated. Que le Seigneur vous bénisse, veuillez vous asseoir. When I was praying and I started asking God about learning to stand calm, learning to be still, and you know. And then I start seeing at so many things in life. Alors que je priais, que je demandais à Dieu de nous apprendre comment rester calme et s'attendre à Dieu, j'ai commencé à voir beaucoup de choses de Dieu. As I was praying for different prayer requests, and I realized that sometimes we need to learn to stand still. Alors que je priais pour des requêtes différentes, je me suis rendu compte que parfois nous devons apprendre à rester calme. You know, I was watching a little. I like to watch those documentary movies on wildlife. Alors j'aime suivre les documentaires de la vie sauvage. Because I learn a lot. You have a lot of a spiritual teaching through those wildlife, the way it happens. Parce que ça apprend beaucoup et il y a beaucoup de leçons à tirer, des leçons spirituelles à tirer dans la vie sauvage. Now there was a little antelope. Alors il y avait cette antilope. And he was caught by a hyena. Alors il s'est fait avoir par le hyène. And you look at it, you thought it was dead. Alors quand tu le regardes, tu penses qu'il était mort. So what he did? Qu'est-ce qu'il a fait? He just laid down there. Il a fait semblant de se coucher. Yeah, like dead. Il a prétendu être mort. Completely dead. Apparemment, complètement. Not moving. Il ne bougeait même plus. The hyena came and they tried to shake it a little bit. Le hyène est venu, il a essayé de le secouer. It was just il bougeait dead. Pas. Il prétendait être mort.
And the hyena got distracted a little bit. He decided to go fetch or whatever what he wanted to do. Et le hyène s'est un peu distrait. Il a attiré son attention ailleurs. And I tell you, you should look how the antelope jumped and ran. Et vous devez voir comment est-ce que l'antilope a sauté, a fui. I said, my, I couldn't know they have that intelligence. Je me suis dit, oh là là, je ne pouvais pas imaginer qu'ils avaient cette intelligence. Alléluia. But you know, I realized that most of the time. Alors, je me suis rendu compte que la plupart du temps. Even in the animal life, même dans la vie animale, you see they stand calm. Vous voyez, ils peuvent rester calmes. When the you see there's a herd of zebra. Lorsqu'il y a un troupeau de zèbres, and they notice a lion, et ils remarquent qu'il y a un lion, they don't just start running. Ils vont pas simplement. They don't just start running. Ils ne commencent pas simplement à fuir en cascade. They observe the lion from far away. Ils vont observer le lion de loin. And they are calm. Et ils sont calmes. They are not agitated. Ils sont pas agités. Then, oh, what am I going to do? The lion is there. Qu'est-ce que je veux faire? Le lion est là. The lion. Non, ils sont calmes. Ils observent le lion. Observing the lion. Ils observent le lion. As soon as they start not moving. Aussitôt qu'ils commencent à bouger, they start taking a different direction. Alors ils prennent une direction différente. Alléluia. So you know, even in animal life, they learn to observe and to stand still, to stand calm. Tu vois, même dans la vie animale, ils apprennent comment observer, rester calme. And according to advices that is given to people, et selon le conseil qui sont donnés aux gens, when you are being attacked by a dog, quand tu es attaqué par un chien, you should not run. Tu ne devras pas fuir. Because when you run, parce que quand tu fuis, you are triggering the attack. Tu es en train de déclencher l'attaque. And the dog is going to outrun you because you can't run faster than a dog. Et le chien va courir plus vite que toi parce que tu peux pas courir plus vite so que lui. It is advised to stand calm. Alors on va généralement te conseiller de rester calme. You know, one day there was a dog. You know, I saw his hair on the back coming up. I know he's going to attack me. Alors une fois j'ai vu un chien qui se chargeait pour m'attaquer, je savais qu'il voulait m'attaquer. I said, I can't run. Je me suis dit je peux I pas. Just stood there. Alors je suis resté là. He kept on barking and you know, he couldn't come close and barking, but if I would have ran, that dog would have run after me. Il se chargeait à continuer à me grimacer, mais j'aurais fui, il m'aurait suivi. How many knows that when you are attacked by a dog, you shouldn't run. You know that, right? They combien savent que lorsque tu es attaqué par un chien, tu ne dois pas fuir. They vous savez stay ça. Calm. Restez calme. Don't be agitated. Ne sois pas agité. Just stay calm. Reste calme. And then it should be fine. Et tout ira bien. I'm not saying that it works all the time. Je dis pas que ça marche à tout le coup. But it can all jump on you. Il peut toutefois sauter by sur toi. By the more calm you are, you can defend yourself than when you are agitated. Et tu peux mieux te défendre quand tu es calme par rapport à lorsque tu if es agité. That you are calm, si tu sais que tu es calme, and you can also attack him and remain calm, s'il sait que tu es calme et que tu peux l'attaquer, the dog is going to be scared. Le chien aura un peu peur. Hallelujah. So it's always advised to keep your distance. Donc c'est toujours conseillé de garder ta distance. They ask you to stop and remain calm. On te demande de t'arrêter, de rester calme. Don't be agitated. Don't run. Ne sois pas agité, ne fuis pas. There was a man that was that survived. A bear attack. Il y a un homme qui a survécu à l'attaque de l'ours. Because he played dead. Parce que il a prétendu être mort. And they always say when you are attacked by a bear. Et on dit toujours quand tu es attaqué par l'ours. You always have to lie on your belly. Il faut toujours que tu puisses te coucher par ton ventre. And you take your arms to protect your head. Et tu mets tes mains sur la tête pour protéger ta tête. He may beat you or maul you here. But if he sees that you're not moving, he may end up by leaving and go. Il peut peut-être te mordre, mais s'il se rend compte que tu bouges pas, il sait peu qu'il puisse partir. So there's a train of to submit, to surrender. Alors il y a un sens de soumission, de l'abandon. Amen. Amen. So you see, it's a survival instinct. Alors tu vois, c'est un instinct du survie. It's a survival instinct to run and. And to be agitated because you want to survive, you want to save yourself. C'est l'instant de la survie. Tu essayes de survivre, alors tu as cet instinct qui te permet. So there is the panic, and you don't know what to do, and you become agitated. What am I going to do? I got to run and do something. Alors quand tu as de la panique, tu sais pas quoi faire et ça finit mal. You see, the scripture read it says, "Be still." Tu vois, l'Écriture a dit, sois calme. God said, be still. Dieu dit, reste tranquille. Alléluia.
When you see the enemy come, lorsque tu vois l'ennemi venir, be still. Reste tranquille. When you see the attack, quand tu vois l'attaque, be still. Reste tranquille. But what does it mean to be still? Mais qu'est-ce que cela veut dire, rester tranquille? Does it mean to be inactive? Et cela veut dire être inactif? What does it mean to be still? Qu'est-ce que cela veut dire, rester tranquille? So when tranquille? We face problems, alors lorsqu'on fait face aux problèmes, we face challenges, lorsqu'on fait face aux défis, alléluia, amen. We have the questions, what to do? Nous avons la question quoi faire? How to do? Comment le faire? And when to do? Et quand le faire? And why? Et pourquoi le faire? All those questions. Toutes ces questions. Sometimes we find ourselves trapped with the past. Parfois nous nous retrouvons piégés par le passé. Hallelujah. Events that have taken place in your life. Les choses qui ont pris place dans ta vie. And then those events of the past. Et ces événements du passé. Maybe the things that you did. Des choses que tu as fait dans le passé. Or maybe the things that people have done unto you. Ou les choses que les gens ont fait contre vous. Those things they kept on haunting your life. Ces choses continuent à chasser ta vie. And you don't have rest. Et tu n'as pas la paix. You tend to react and to do things based on the past. Et tu as tendance à réagir, à faire des choses en te basant sur le passé. And even your present, you are surrounded by so many realities in life. Et même ton présent est entouré par beaucoup de réalités de la vie. You have torrent of thoughts, like waves of thoughts coming in. Tu as une onde, une vague de pensées qui vient. What shall I do? What can I do? What's going to happen? I should do this, maybe this, maybe that. Who said that? Who did this? So you just go into such a turmoil. Que puis-je faire? Comment puis-je le faire? Peut-être je devrais faire ceci. Qui a dit quoi? Donc tu es tourmenté constamment. It's a survival instinct of a human being. C'est l'instinct de la survie. Alléluia. It's a survival instinct to do something to save yourself. C'est l'instinct de la survie, faire quelque chose pour te sauver. But God is telling us to stand still. Mais Dieu nous demande de rester tranquille. It's not by the multitude of worries that your problem can be changed. Ce n'est pas en multipliant tes inquiétudes que ta situation va changer. It's not in the multiplication of agitation that your problem will get saved or solved. Ce n'est pas en multipliant les agitations que ton problème sera réglé et résolu. But it is by faith in God's word. Mais c'est dans la foi, dans la parole de Dieu. Alléluia. The more worries you have, plus tu es inquiet. The more trouble you have, plus tu es dans le tourment. Alléluia. Amen. If I can have water, please. Thank you, Lord Jesus. Gloire à Dieu. So I'm looking at the Hebrews lexicon. Alors je regardais le lexique hébreu. The word still. Le mot calme. Means to cast down. Veut dire chasser. To cast down. Veut dire s'abaisser. Non, si j'étais par terre. Si j'étais par terre. To let drop. Se laisser tomber. Alléluia. To let drop. Se laisser tomber. To relax. Se relaxer. To withdraw. Se retirer. Abandonner. Se retirer. Se retirer. To abandon. Abandonner. To forsake, abandonner. To refrain, s'empêcher de faire. Se retenir. To refrain, se retenir. Hallelujah. So all these are synonyms of still. Tout ceci, ce sont des synonymes du mot rester tranquille. Sorry. So to still means to refrain. Alors rester tranquille veut dire se contenir. To relax, se relaxer, to let drop, laisser la pression, se laisser faire, to forsake, abandonner, hallelujah, amen, to be quiet, rester calme, hallelujah. So this expresses the a mental attitude. Alors ceci est une attitude mentale. And remember about what I'm saying, your mental attitude will determine. Et the results. Rappelez-vous que Frère Branham dit votre attitude mentale va définir le résultat. Alléluia. So that's exactly what happened to the children of Israel. Alors c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. In Exodus chapter 14. Dans Exode 14. Let's turn our Bible in Exodus chapter 14. Alors on va ouvrir nos Bibles dans Exode 14. Exodus chapter 14 says this. Exode 14 dit ceci. And I can read from verse 8 to verse 16. Alors on peut lire à partir de verset 8 du verset 8 to 16 jusqu'au 16.
And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel. And the children of Israel went out with an island. But the Egyptian pursued after them all the horses and chariots of Pharaoh and his horsemen and his army, and overtook them encamping by the sea beside Pi-Haroth before Baal-Ziphon. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. And they said unto Moses, because there was no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou did thus with us to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone? There was an agitation. Il y avait de l'agitation. That we may serve the Egyptians. For it had been better for us to serve the Egyptians than we should die in the wilderness. And Moses said unto the people, fear not. Stand still and see all the salvation of the Lord, which he will shew unto you today. For the Egyptian whom you have seen today, you shall see them and no more forever. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Amen. Hallelujah. Amen. You see, the children of Israel were all shaken. Alors, voyez, les enfants d'Israël, ils avaient peur. They looked from far away. Ils regardaient de loin. They saw a cloud of dust. Ils ont vu une nuée de poutière. They said, what is this? Ils se sont demandé c'est quoi? Oh, the army of Pharaoh. Oh, l'armée de Pharaon. They were pursuing them. Ils étaient dans leur à leur poursuite. They said, Moses, ils ont dit Moïse. Why did you bring us here? Pourquoi tu nous as amenés ici? There was no grave in Egypt. Il y avait pas de tombe en Égypte. That's what we told you. C'est qu'on te disait. Let us alone. Laisse-nous tranquilles. Now we are going to die here. Maintenant, on va mourir ici. You know, people didn't want to do. Tu sais, les gens ne savaient pas quoi faire. It was the instinct of survival. C'était l'instinct de la survie. They got agitated. What are we going to do? How am I going to do? And so there are a lot of pondering, a lot of questions. Ils étaient agités. Qu'est-ce qu'on va faire? Beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. And you realize that you have a Q&A session. Et vous avez oublié que vous êtes une nation particulière. Vous avez une session de questions-réponses. Alléluia. You have a Q&A question and answer. Alors vous avez une session de questions-réponses. But yet after your Q&A session, your problem is still there. Après votre session de questions et réponses, votre problème demeure. After your Q&A sessions, the mountain is still there. Après votre session de questions et réponses, la montagne est toujours là. Because those problems that don't find answers, they are like a mountain before you. Parce que ces problèmes qui ne trouvent pas de solution sont comme une montagne devant vous. It's like a big valley you don't know how to cross. C'est comme une grande vallée que vous ne savez pas comment traverser. A big sea before you that you cannot cross. Une grande mer devant vous que vous ne pouvez pas traverser. Alléluia. But it's actually at times like this. Mais c'est conçu comme ça. It's at times like this. It's at times like this. Et c'est à un moment comme ça. Alléluia. It's when we face the challenges like this. Lorsque nous faisons face aux défis comme tel que celui-ci. When we experience a lot of stress. Lorsque nous expérimentons beaucoup de stress. That's where God asks us. C'est là que Dieu nous demande. Stand still. Reste tranquille. Alléluia. It's when you experience a lot of stress and you don't know what to do. You are just overwhelmed by the situation. C'est lorsque tu es débordé par des problèmes et des situations que Dieu te Because demande. The more you think of your situation, parce que plus tu penses à ta situation, the more you have your Q&A sessions, c'est plus tu as des questions sans réponse, the more you are hurting your health, plus tu endommages ta santé, you become nervous, plus tu deviens nerveux, you get sicknesses, tu attrapes des maladies, and you get high blood pressure, et tu atteins la pression artérielle. You get kidney problems. Tu as des problèmes de rein. Hallelujah, yes. Then you get even epilepsy. Et tu as même la maladie. Because Brother Branham showed us that all the diseases that we have, their source comes from a nervous condition. Parce que Frère Branham nous montre que toutes les maladies que nous avons, leur source, l'état nerveux. So the devil knows how to destabilize us. Alors le diable sait comment nous déstabiliser. And he's going to do that to give you an ulcer in your stomach.
Et il sait comment créer même l'ulcère dans ton estomac. He's creating pressure over your life. Il met la pression sur ta vie. So if you are alert, alors si tu es alerté, you need to realize that it's the attack of the devil. Tu dois te rendre compte que c'est l'attaque du diable. And God wants you at a moment like this. Et le Seigneur veut qu'à un moment comme ça, He commands you to stand still. Il te recommande de rester calme. Hallelujah. Stillness shows that you are mastering the situation. Tranquille, cela veut dire, ça prouve que tu as la situation sous contrôle. Stillness shows that you have the control of the situation. Tranquille veut dire que tu as le contrôle de la situation. It's like you have seen a movie. C'est comme tu as vu un film. Hallelujah. You have seen a movie and the end of the movie. Tu as déjà suivi un film jusqu'à sa fin. So you look at the end of the movie. Alors tu regardes la fin du film. Hallelujah. Amen. But you see here they are running and something's happening. This one want to kill him. This one happened here. But you know at the end the actor is going to survive. Alors tu peux voir qu'ici on le suit, il est menacé, mais tu es confiant qu'à la fin l'acteur va survivre. Hallelujah. But you see the person who doesn't know the end of the movie. Mais tu vois la personne qui connaît pas la fin du film. His heart is pounding. What's going to happen now? Alors son cœur est en suspense, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. But you know the end of the movie. Mais toi tu connais la fin du film. What I'm saying, the message, stand still. Frère Branham dit dans la prédication, reste tranquille. He says, so in that great day, il dit alors en ce grand jour of hour of frustration, de l'heure de la frustration, the Lord spoke. Dieu a parlé. He spoke through a little prophet standing near. Il a parlé par la voix d'un petit prophète who qui se tenait là. Stand still, qui a dit reste tranquille. And see the salvation of God. Et observe le salut de Dieu. You'll not have to fight this battle. Tu n'auras pas à combattre. But as long as they were together and praying, it was God's battle. Mais aussi longtemps qu'ils étaient ensemble en train de prier, c'était la bataille de I Dieu. I think the same thing applies tonight. Je crois que la même chose est applicable in cet this après-midi. Great hour, à ce moment glorieux, where the great church people, où l'église glorieuse et son and peuple, the great churches are stewing and fussing with each other, et ces églises glorieuses sont en train de communier ensemble. No, fussing at each other. Elles sont en train de se quereller. Alléluia. And denominational barriers are breaking us apart. Et le barrière dénominationnel nous sépare. And we battle from this side and that side. Et nous combattons de ce côté-là. It's time to stand still. C'est le moment de rester tranquille. It's God's battle. C'est la bataille de Dieu. It's not ours to begin with. Ce n'est pas notre bataille pour commencer. God wants us to stand still. Dieu veut que nous restions calmes. And when he gets ready to do anything, et lorsqu'il est prêt à faire quoi que ce soit, usually he commands his people to stand still. D'habitude, il commande à son peuple de rester calme. So there's no place for anxiety. Donc il n'y a pas de place pour l'anxiété. Oh, I'm suffering from anxiety. Oh, je souffre de l'anxiété. No, be still and know that he is God. Non, reste calme et sache qu'il est Dieu. You are a Christian, you cannot suffer from anxiety. Tu es un chrétien, tu peux pas souffrir de l'anxiété. You are a Christian, you should not suffer from depression. Tu es chrétien, tu ne peux pas souffrir de la you dépression. Are a son of God. Tu es un fils de Dieu. You are a daughter of God. Tu es une fille stand de Dieu. Still reste tranquille. And know that he is God. Et sache qu'il est Dieu. You know the end of the movie. Tu connais la fin du film. Glory to God. Gloire à Dieu. Be still, know that I am God. Sois tranquille et sache que we je suis Dieu. We should not be fearful. Nous ne devrons pas avoir peur. We know the will of God. Nous connaissons la volonté de Dieu. No, we are sons and daughters of God. Nous savons que nous sommes filles et fils de Dieu. It's a problem of relationship, brother and sister. C'est un problème de relation, frères et sœurs. You must be in a relationship with God. Tu dois être dans la relation avec Dieu. You must know who that God is. Tu dois savoir que Dieu a des if you don't know God, si tu ne connais pas Dieu, you're going to be frustrated. Tu seras frustré. If you don't know God, si tu ne connais pas you're Dieu, going to lose hope. Tu vas perdre but l'espoir. If you know God, mais si tu connais Dieu, you know everything works for the good of them that love him. Tu sais que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Even negative things that happen to you, même les choses négatives qui t'arrivent, you know that God is on the scene. Tu sais que Dieu est sur la scène. You know God is under control. Tu sais que Dieu est sous contrôle. And you stand still. Et tu restes tranquille. Because you know in whom you have believed in. Parce que tu sais en qui tu as cru. You are not shaken.
Tu n'es pas agité. Jesus knew who he was. Jésus savait ce qu'il était. Hallelujah. And he knew his commission. Et il connaissait sa commission. Moses was not shaken. Moïse n'était pas agité. Even when Pharaoh refused to let the children of Israel go. Même lorsque Pharaon a refusé de laisser partir les enfants d'Israël. He knew whatever you want. Il savait fait tout ce que tu veux. We'll end it up by leaving. Nous finirons par partir. Because God said so. Parce que Dieu a dit ça. Whatever you want, quoi que tu veuilles. God's word is going to be fulfilled. La parole de Dieu sera accomplie. Alléluia. Amen. Frère Branham dit dans la prédication inside man. Frère Branham dit dans la prédication à l'homme intérieur. When there was a trouble, lorsqu'il y avait le tourment, God has always been the God to meet the need when there is a need for the people. Dieu a toujours été celui qui pourvoit lorsqu'il y a un besoin pour des gens. Alléluia. And you know that. Et vous le savez. And God promised that he would supply their needs. Et Dieu a promis qu'il va survenir aux besoins. They had did wrong. Ils ont fait du mal. They had sinned. Ils ont péché. Done things that were wrong. Ils ont fait des choses qui étaient mauvaises. Yet when they had not, when they had need of healing. Et lorsqu'ils avaient besoin de la guérison. God made an atonement for healing. Dieu a pourvu de l'expiation pour la guérison. When there was no atonement yet, lorsqu'il n'y avait pas l'expiation, God made it. Dieu en a créé. In the face of every difficult, devant chaque difficulté, God will make a way of escape. Dieu trouve toujours un moyen d'échappatoire. In the face of every difficult, devant chaque difficulté, God will make a way of escape. Dieu va toujours créer un chemin d'échappatoire. Il va le faire. If you will just have faith and believe him. Si tu as simplement foi et crois en lui. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. Isn't God wonderful? N'est-ce pas qu'il est merveilleux, Dieu? Alléluia. Amen. When you pray, quand tu pries, you can rest assured. Tu peux rester assuré. Amen. 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 So the children of Israel. Alors les enfants d'Israël. Then they send 12 spies. Alors ils ont envoyé 12 espions. To spy the country. Pour espionner le pays. And when they came back, et lorsqu'ils sont revenus, can you imagine out of 12 spies, peux-tu imaginer de 12 espions qui ont été envoyés? 10 of them, 10 d'entre eux, gave a negative report, ont donné un témoignage négatif. 2 gave a positive report, et 2 ont donné un témoignage positif. Now before the congregation of Israel, alors devant la congrégation d'Israël, they look at the majority. Ils ont regardé la majorité. The majority says no, we cannot make it. La majorité a dit qu'on peut pas y arriver. That job is too big for you. Que ce boulot est trop grand pour nous. No, you cannot make it. Non, tu peux pas y parvenir. You cannot fulfill that. Non, vous ne pouvez pas le that faire. That is too big for you. Non, c'est trop grand pour vous. Now when the children of Israel heard that, alors quand les enfants d'Israël ont entendu cela, they all become to be begin to to scream and oh, we are going to die. Why did you bring us? We can't make it. Let us return back to Egypt. Ils ont commencé à s'inquiéter. On va mourir. Pourquoi tu nous as amenés ici? Retournons en Égypte. As did God said. Est-ce que Dieu a dit cela? As did God said. Tel que Dieu l'avait dit. Tel que Dieu l'avait dit. He says, if people go the shorter way. Il dit si ces gens partent par le chemin court. When they see the battle. Lorsqu'ils vont voir la bataille. They return quickly back to Egypt. Ils vont revenir rapidement en Égypte. Alléluia. Amen. Listen. Suivez. But Caleb. Mais Caleb. Steal the people. A volé les gens. No, steal. Il a gardé les gens calmes. Yeah, he steal the people. Il les a. Because they were murmuring against Moses. Oh, Moses, Moses, why did you bring us here? Oh, Moses, you see? Caleb said, hey, be still. Parce qu'il murmurait et criait contre Moïse. Caleb a dit, du calme, restez calme. Alléluia. It's not when there's that noise that you find a solution. Ce n'est pas dans ces bruits que vous allez trouver une solution. It's not when everybody's screaming and shouting here that we can find a solution. C'est pas lorsque tout le monde crie ici que nous allons trouver une solution. Let's go back to the word. Retournons à la parole. What did God said? Qu'est-ce que Dieu a dit? He said that I'm giving you this country. Il a dit que je te donne ce pays. So God said it. Alors Dieu l'a dit. No matter the circumstances. Peu importe les circonstances. We are going to move by faith. Nous allons avancer par la foi. God said so. Dieu l'a dit. We are going to take over the land. Nous allons prendre ces terres. Non. People going all over the places. Les gens, ils étaient par-ci, par-là. Alléluia. Be still. Sois calme. Before the enemy.
devant l'ennemi, before problems, devant le problème, before challenges, devant le défi, be still, reste tranquille, and know that he is God. Et sache qu'il est Dieu. Hallelujah. Amen. In your home, dans ta maison, with your wife, avec ton épouse, with your husband, avec ton époux, with your children, avec tes enfants, even among brothers and sisters, ou avec tes frères et may sœurs. May the Lord help us to learn to stand still. Que Dieu nous apprenne à rester calme, and to trust him, et à lui faire confiance, and take God at his word, et prendre Dieu à sa parole, and believe him, et croire en lui, and confess that we are more than conquerors, et confesser que nous sommes plus que concurrents. Alléluia. Frère Branham dit dans la prédication, stand still. Frère Branham dit dans la prédication, reste tranquille. It's a nervous age. C'est un âge nerveux. What is it? Qu'est-ce que c'est? Then I give this solemn warning to the church. Je donne cet avertissement solennel au peuple. Stand still. Restez tranquille. God always commands to stand still before he does anything. Dieu recommande toujours à ceux que reste calme avant qu'il ne fasse quoi que God ce soit. God commands. Dieu recommande à ces que that we stand still. Tu restes calme. Before he does anything. Avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. So you must learn to stand still. Donc tu dois apprendre à rester tranquille. To let God move. Pour faire en sorte que Dieu stand puisse still agir. Reste tranquille. And let God move. Et laisse Dieu agir. Stand still. Reste tranquille. And let God fight your battles. Et laisse Dieu combattre pour toi. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Stillness is an attitude of your mind. C'est l'attitude de ta. Tu vois, c'est l'attitude de ta pensée. And you have to learn to build the muscles of stillness. Et tu dois apprendre comment. Comment construire le muscle de la tranquillité? Hallelujah! Because you have to learn to trust God's word and promises. Parce que tu dois apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. Glory à ses promesses. To God. Gloire à Dieu. Brother Branham said. Frère Branham dit. 10 against 2. 10 contre 2. But it's not easy. Frère, c'est pas facile. We are here together. Nous sommes ici ensemble. Now you have the majority having one thing. Maintenant, vous avez la majorité qui veut quelque Everybody chose. Everybody is saying one thing. Tout le monde dit quelque chose. Now you come, you say the contrary of everybody. Alors vous venez, vous dites le contraire de tout le monde. It's not easy. C'est pas facile. Hein. Hallelujah. Amen. I remember a brother was accused. Je me rappelle un frère qui était accusé. By a sister back in the country. Par une sœur au Congo. And everybody accused the brother. Et tout le monde a accusé le frère. And after church, et après le culte, I told my wife, j'ai dit à ma femme, we were not yet married at that time. On n'était pas encore mariés à cette époque-là. We were just engaged. On était juste engagés. I told her, I said, je lui ai dit, I don't believe that what the report of that sister. J'ai pas cru en au témoignage de la sœur. I believe that the brother is innocent. Je crois plutôt que ce frère est innocent. And she told me, elle m'a dit, how can you say that? Comment peux-tu dire cela? Everybody was even confirming that. I said, tout le monde confirmait, moi j'ai dit non. Hallelujah. Amen. Don't take things like that. Ne prends pas de choses comme ça. But after a couple of months, après quelques mois, that same sister, la même sœur, came back to church, est revenue à l'église to repent, pour se repentir that she had lied to the church, qu'elle avait menti à l'église. I told my wife, I said, j'ai dit à ma une épouse, tu vois, did you see what I told you? Tu vois ce que je te disais? Alléluia. Amen. Alléluia. 10 against 2. 10 contre 2. They were outnumbered. Il y avait plus de nombre plus que. But Joshua and Caleb took their stand and said, we are more than able to do it. Mais Josué et Caleb ont pris position et ont dit qu'on est capable de le faire. Hallelujah. Amen. No, everybody is failing chemistry. Everybody is failing chemistry. No, I'm more than able to make it. Oh non, tout le monde échoue au cours no, de chimie. It's difficult. Je suis it's capable difficult. De le faire. No, don't have that kind of language. C'est difficile, n'ayez pas ce langage. Do not panic. Ne panique pas. Hallelujah. Amen. Stand still. Reste tranquille. And trust God. Et fais confiance en Dieu. Glory. Oh, mathematics, oh, this, oh, that. No, don't worry. Mathématiques, ceci, cela, n'ayez pas peur. What does it mean before God? Qu'est-ce que cela veut dire devant Dieu? He's above all intelligence and wisdom. Il est au-dessus de toute intelligence et toute sagesse. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. But before Caleb and Joshua could speak, mais avant même que Josué et Caleb ne parlent, Caleb had to steal the people first. Caleb devait d'abord tranquilliser le get them quiet. Les garder calmes. And stand still. Et rester tranquille. You know when you get somewhere, you find people fighting. And
Tu sais, quand tu arrives quelque part, tu trouves les gens en train de se battre. Get them quiet first. Essaye d'abord de les tranquilliser. Calm down. Tranquillisez-vous. Let off pressure. Laissons faire Calm passer cette pression. Calmez-vous. You cannot solve a problem like this. On peut pas résoudre un problème comme ça. Hallelujah. Amen. He said, get them quiet. Il les a calmés silencieux. Stand still. Restez tranquille. Don't be running here and running there and jumping at this and jumping at that. You see what he did? You see what he did there? You see what he said there? You jump here, you jump over there, you jump over there. You are all over the place. Alors arrêtez de vous agiter. Tu vois ce qu'il a fait ici, tu vois ce qu'il a fait là-bas. Ils étaient ici et là, agités partout. Alléluia. Maybe it's for your work. Peut-être c'est pour votre travail. Anything's happening at your job. Quelque chose s'est passé au this travail. One say this. Celui-ci a dit ceci. This one say that. Celui-là a dit cela. If you watch, if you don't watch, si tu n'observes pas, you are going to develop a negative feeling even against your coworkers. Tu risques d'avoir de sentiments négatifs même contre tes employés. Even in the church. Même à l'église. You see, she's so and so. Tu vois telle sorte. She did this. Elle a fait she ceci. Did that. Elle a fait last cela. Time. Le, la fois passée. What? Tu sais, quand tu étais là. Where the potluck? Quand on avait la gap. She didn't bring food. Elle n'a pas amené la nourriture. And she ate. Elle a amené la nourriture. Elle n'a pas amené la nourriture, mais elle a mangé. C'est quoi le problème? Nonsense. Ça n'a aucun sens. Can't you cook for everybody? Tu ne peux pas préparer pour tout le monde. What you bring, you don't bring. I will cook for you in the name of Jesus. Move on. Tu dis que tu n'amènes ou pas, je vais préparer pour toi. I'm just giving an example here. Et va de l'avant. Je donne juste des exemples. You see, people have those little things. Eh? Tu vois, les gens, ils ont ces petites choses. Oh, they did a baby shower for so and so. They don't did for me. They did a baby shower for so and so. They don't do for me. So what does it mean? Ils ont fait la layette pour tel et tel. Ils l'ont pas fait pour moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Do you come to church to have a baby shower? Tu viens à l'église pour qu'on te fasse une layette? If you have a baby shower, glory to God. Si tu as une layette, gloire à Dieu. If you don't have a baby shower, glory to God. Si tu n'en as pas, gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. We need to be Christians, brothers and sisters. On doit être chrétiens, frères et sœurs. Then you see what happened. Et vous verrez ce qui va se passer. What made Caleb so sure? Ce qui a fait que Caleb était si sûr. It's when the opposition was so great. C'est quand l'opposition était si grande. It's according to what you are looking at. C'est selon ce que tu regardes. Caleb was looking at the promise of God. Caleb regardait la promesse the de other Dieu. 10 were looking at circumstances. Alors que les 10 regardaient aux circonstances. If you look at circumstances, si tu regardes aux circonstances, or to look what's around you, ou tu regardes ce qui est autour de you toi, are sure to fail. Tu vas sûrement échouer. Alléluia. You know, it's such a wonderful thing to be a father. Vous savez, c'est si merveilleux être père. I'm learning a lot. J'apprends beaucoup. I'm still learning how to be a good father. Je continue à apprendre comment être un bon père. And I'll still be learning. Et je veux toujours continuer à apprendre. Because you gotta learn. Parce que tu dois apprendre. To be still. À être calme. You gotta learn to trust God. Tu dois apprendre à faire confiance en Even Dieu. As a husband, même comme un époux, you gotta learn to stand still. Tu dois apprendre à rester calme. As a wife, comme une épouse, you have to learn to stand still. Tu dois apprendre à rester calme. You can answer to every single thing. Tu ne peux pas répondre à toute chose. Sometimes accept to suffer. Parfois, accepte de souffrir. Accept to suffer a little bit. Accepte de souffrir un tout petit peu. Accept people to tell you that you are wrong. Accepte que les gens te disent que tu as tort. When you believe that you are not wrong. Quand bien même tu es sûr que tu n'as pas tort. You see people that you know if you have to go and justify all the way that you are not wrong. Si tu dois toujours aller te justifier à chaque fois pour prouver que tu n'as pas tort. You are not giving God an opportunity to fight for you. Tu ne donnes pas à Dieu l'opportunité de combattre pour toi. Because you are so strong enough. Yeah, you know what? I can fight myself. Parce que tu es assez fort. Tu sais quoi? Je peux me battre moi-même. Oh, yeah. Oh, no, yeah. Tu sais? I'm a boxer, you know. Je suis boxeur. Well, I can fight. Je peux me battre. Then you don't need God. Alors tu n'as pas besoin de Dieu. Hallelujah. Amen. If you want to justify yourself, si tu veux toujours te justifier, you don't need God. Tu n'as pas besoin de Dieu. But let God justify you. Mais laisse Dieu te justifier. He said they shall accuse you falsely. Il dit qu'on va t'accuser, te calomnier. But let God justify you. Mais puisse Dieu te justifier. Can you imagine Jesus, they call him Beelzebub? Peux-tu imaginer Jésus, on l'appelait Beelzebub? What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Hallelujah. Amen. Even say, Lord, forgive them. Il a d'ailleurs dit, Dieu, pardonne-leur.
Il est mort à la croix pour les gens qui l'ont appelé Belzéboul. Alléluia. So when the opposition is great, alors lorsque l'opposition est grande, what do you do? Qu'est-ce que tu fais? Stand still. Reste tranquille. When you are overwhelmed with your studies and education and jobs and things, stand still. Lorsque tu es submergé par tes études, par ton boulot, even reste when calme. The report is so bad, stand still. Même quand la marque est tellement mauvaise, reste tranquille. They give you the CT scan, it comes so negative. Stand still. On vous donne le scan et c'est si négatif, reste they calme. See, you have here, oh, this and different things. If you start panicking, you become agitated. That means you don't have trust in God. On vous amène sur rapport négatif. Si vous commencez à vous agiter, c'est la preuve que vous n'avez pas confiance en Dieu. He said the Christian, il dit chrétien, doesn't look at circumstances. Ne regarde pas aux circonstances. He looks at the word and stands still. Il regarde à la parole et reste tranquille. God said so. Dieu l'a dit. That settled it. Ça, c'est résolu. He said, do good to those who do evil, and that settles it. Il dit, fais du bien à ceux qui te font du mal, et c'est résolu. He said, you are blessed when people say evil about you. Then accept it. I'm blessed. Dis que tu es béni lorsque les gens parlent mal de toi. That settles it. Dis que je suis béni et ça résout tout. So you did something wrong, but I say, oh, thank you, Lord, I'm blessed because He says it. So that settles it. Donc tu fais quelque chose de mal, moi je dis gloire à Dieu. I'm taking the blessing. Parce qu'il a dit et je reçois la bénédiction. It's a blessing. C'est une bénédiction. Alléluia. Amen. He said, blessed are you when men shall revile you. Il a dit, soyez bénis lorsque, heureux lorsque les hommes vont you vous see, calomnier. There is this, this instinct of survival, of to defend yourself, to try to show that I am not. No, let people catch you off and do whatever they want to do. That's okay. God will fight for you. Alors tu as toujours cet instinct de la survie où j'ai raison. Laisse que les gens puissent t'accuser de mal et Dieu combattra pour toi. You know one time the children of Israel. Tu sais une fois les enfants d'Israël. They had to fight. I think they are Syrian, if I'm not mistaken. Je pense qu'ils avaient à se battre contre les Syriens si j'ai pas tort. And God gave them His word. Et Dieu leur a donné sa parole. They went to sleep. Ils sont partis dormir. They went to bed. Ils sont partis au lit. And when they wake up in the morning, et lorsqu'ils se sont réveillés le matin, they found the bodies of the enemy down. Ils ont trouvé le corps de l'ennemi par terre, à l'extérieur. So the enemy came to attack them. Donc l'ennemi est venu les attaquer. They were sleeping. Ils dormaient. When they woke up in the morning, lorsqu'ils se sont réveillés le matin, they found the bodies of the enemies outside. Ils ont trouvé les cadavres de l'ennemi à l'extérieur. Oh. Who fought this battle? Mais qui a combattu cette bataille? God is God. Dieu est Dieu. God is God. Dieu est Dieu. Hallelujah. Amen. Even when you are sleeping, même quand tu dors, He's fighting for you. Il combat pour toi. Amen. Hallelujah. The devil can't even touch you. Le diable ne peut même pas te toucher. You can't protect yourself. Tu ne peux pas te protéger. Tell me how can you protect yourself? Dis-moi, tu te protèges Tell comment? Me what you can do to protect yourself. Dis-moi, tu fais comment pour te even protéger? Even when you're driving. Même quand tu conduis. Tell me what you do to protect yourself. Qu'est-ce que tu fais pour te protéger? Alléluia. Tell me what you do to protect your job. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour maintenir ton travail? Hallelujah. They give you a layoff tomorrow. On peut diminuer le There's personnel. Nothing. But my faith. Mais ma foi. Is that I don't depend on anybody. I depend on God. Je ne dépends de personne. Je ne dépends que de Dieu. Glory to God. Amen. It says what if Abraham look at the circumstances? Il dit quoi si Abraham aurait regardé aux circonstances? Oh, you see my wife. Ah, tu vois mon épouse. Oh, she has passed menopause. Elle a déjà passé la ménopause. I don't think she will ever conceive again. Je crois plus qu'elle va concevoir. We will just forget about this thing. Ah, on va simplement oublier ça. But he never looked at that. Mais il n'a pas regardé à cela. He never looked at the circumstances. Il n'a jamais regardé aux circonstances. What if Caleb would say, "Oh, the opposition is so great"? Qu'est-ce que Caleb disait lorsque tout le monde disait que l'opposition est grande? Alléluia. But God has given His word. Mais Dieu a donné sa parole. He said, "I'm giving you the land." Il dit, "Je vous ai donné la terre." God said, "I gave you that land." Dieu a dit, "Je vous ai donné cette terre." From this to that place. De tel à tel endroit. From that river to the other river. De cette rivière à cette rivière. All this is yours. À cette montagne, tout ceci vous appartient. Now the circumstances are making them to believe that it's not theirs. Maintenant les circonstances font en sorte qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Hallelujah. Amen.
God tells you, Dieu te dit. Can you imagine? Peux-tu imaginer? God, you see this house? Dieu te dit, tu vois cette maison? It is yours. C'est à toi. But people are in that house. Mais les gens sont dans cette maison. It's their house. C'est leur maison. They live there. Ils vivent là. But God tells you, mais Dieu te dit, this house, cette maison, is yours. C'est pour toi. That's what God told the children of Israel. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je dis. La terre que Dieu a donnée aux enfants d'Israël n'était pas vide. It was the land that had people. C'était une terre qui avait des they gens. Called those lands their lands. Ils appellent cette terre leur it terre was à eux. Days. C'était pour they eux. Live there. Ils vivaient là-bas. But God tells Israel, mais Dieu dit à Israël, I'm giving you this land. Je te donne cette terre. Oh, mais God, you see there are Dieu, giants there. Tu vois les géants there's là-bas. Problems here. Les problèmes ici. It says, I God. Il dit moi Dieu. I've given it to you. Je vous l'ai donné. But God, can't you see that it's Dieu, occupied? Ne peux-tu pas voir que c'est occupé? God, I want you to give me a vacant land. Dieu, je veux que tu me donnes une terre vide. A vacant land. Une terre vide. A vacant house. Une maison vide. But God said, no. Dieu dit, I'm not giving you a vacant land. Je ne te donne pas une terre vide. That land is already inhabited. Cette terre est déjà inhabitée. But I'm giving it to you. Mais je te la donne. Then you have to move and say, this is mine. Et tu dois partir la réclamer, dire que you ça m'appartient. Come here, you find somebody. Hey. Tu viens, tu trouves quelqu'un. This house is mine. Cette maison m'appartient. Get ready, brother. Get ready to fight. Préparez-vous, frères, à combattre. But God says, mais Dieu dit, I've given it to you. Je te le donne. Don't look at the circumstances. Ne regarde pas aux circonstances. The fight is not yours. La bataille n'est pas tienne. Hallelujah. Maybe you just come like this. Peut-être your tu enemy viens. Come. You want to take this place? Ton aussi, ennemi vient. Et okay, tu, you can't take it. Tu veux prendre cette place? Oui, je but veux. But what happened to Jericho? Qu'est-ce qui arrive à Jéricho? Did they take the city? Yes, they to possess it. Ils ont pris la ville? Oui, ils l'ont possédé. It was fortified. C'était but fortifié. God said, I'm giving it to you. Mais Dieu a dit que je vous la donne. Go seven times around the building. Va sept fois autour. And the seventh time you go seven times. Et le septième tour, vas-y and then sept you fois. Scream and praise the Lord. Et crie gloire the à Dieu. Land is yours. Cette terre est à toi. And they did it. Et ils l'ont fait. And they possessed the land. Et ils ont possédé la terre. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. And God says, et Dieu a dit, in Deuteronomy, dans Deutéronome, every place, chaque place, whereon the soles of your feet shall tread, shall be yours. Sur laquelle foulera la plante de tes pieds sera tienne. Every place, toute place, where the soles of your feet shall tread, où la plante de tes pieds foulera, it is yours. Elle t'appartiendra. Hallelujah. Amen. So when I go to work, donc lorsque je vais au travail, the soles of my feet, la plante de mes pieds, they tread the office, ça foulait le I am bureau. The possessor of it. Je suis le possesseur de cela. And every spirit et tout esprit is under my feet. Est sous in mon contrôle. Name. Au nom de Jésus. Amen. I'm the possessor of all that God said, the seed of Abraham shall possess the gates of its enemy. Je suis le possesseur de cela parce que Dieu dit la semence d'Abraham va posséder la porte de ses ennemis. I'm going to have battles for sure. J'aurai la bataille sûrement. There shall be people at work that will fight me. Il y aura des gens au travail qui vont me combattre. But the Bible tells me, mais la Bible me dit, every place that the soles of your feet shall tread, partout où foulera la plante de tes pieds, I give it to you. Je te la donne. I'm moving with that confidence. Je vais de l'avant avec and cette confiance God. Et faisant I confiance say, Lord, en Dieu. J'ai dit, Seigneur, I take control of every spirit je here, prends contrôle sur tout that esprit ici confess the name of the Lord Jesus Christ. Et confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. You are son of God. Tu es fils de Dieu. Stand still. Reste tranquille. And know that is God. Et sache qu'il est Dieu. Things about work. This one say this. Alors celui-ci dit ceci, celui-là dit this cela. One celui-ci critique. To block, to put blockades celui-ci your move, essaye move de bloquer. Stand still. Reste tranquille. I know to whom I believe. Je sais en qui j'ai cru. Lord Jesus, Seigneur Jésus, can you please take care of that situation? Peux-tu, s'il te plaît, prendre soin de cette situation? Amen. Amen. I go. Je vais. Hallelujah. Amen. And I leave it in God's hands. Et je laisse ça entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. When you come to Canada, lorsque tu viens au Canada, the soles of your feet, la plante de tes pieds, have tread Canada, a foulé le sol du Canada.
I'm here to possess. Je suis ici pour posséder. I'm here to possess. Je suis ici pour posséder. Because I am a son of God. Parce que je suis le I fils am a de Dieu. Daughter of God. Je suis la fille I de Dieu. I possess it. Je le and possède. I claim it. Et je le because réclame. God gave me the promise. Parce que Dieu m'a donné la promesse. You should walk with that blessed assurance. Tu dois marcher avec cette assurance bénie. You are a son of God. Tu you are a daughter of God. Et fille de Dieu. Don't be afraid. N'aie pas peur. Don't be scared. N'aie pas peur. All this racism, all this discrimination, I don't care. Racisme, discrimination. I'm a son of God. Ça m'importe I'm peu. A daughter of God. Je suis fils fille I'm de Dieu. Claiming the land. Je réclame in the la name terre of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. The devil shall fight me. Le diable va me combattre. But it's not my battle. Mais c'est pas ma bataille. It's the battle of the Lord. C'est la bataille de Dieu. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. You feel good? Tu te sens bien? But one thing Caleb looked at, God said before they ever left Egypt. Mais quelque chose à laquelle Caleb a regardé avant qu'ils aient quitté l'Égypte. I have given you that land. Je t'ai donné ces terres. So Caleb didn't care what the circumstances look like. Alors Caleb ne s'inquiétait pas des circonstances. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Even when God tells you this marriage is yours. Même quand Dieu te dit ce mariage, il est pour it toi. It doesn't mean there won't be circumstances. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de circonstances. Circumstances will be there. Les circonstances seront but là. You have to possess. Mais tu dois posséder. You have to possess your marriage. Tu dois posséder you ton mariage. You have to claim it. Tu dois le réclamer. You are a liar. Tu es un lion. God told me. Dieu m'a dit. This was my marriage. C'était mon this mariage. This was my husband. C'était mon this mari. This was my wife. C'était ma femme. God spoke to me. Dieu m'a parlé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I possess my marriage. Je possède mon mariage. Hallelujah. Amen. Stand still. Reste tranquille. And know that I am God. Et sache que je suis Dieu. Glory to God. Why are you scared? Pourquoi tu as peur? Why are you afraid? Pourquoi tu as peur? Hallelujah. Amen. Trust God. Fais confiance believe en Dieu. God. Crois en Dieu. Hallelujah. Amen. God has given you children. Dieu t'a donné they les enfants. Are your children. Ils sont tes enfants. And the Bible says, et la Bible dit the fruit of your offspring les fruits de ton rejeton is a blessing from the Lord. Est une bénédiction pour so Dieu. Lord, you say you have blessed me. Alors Dieu, tu as dit que tu m'as with béni. With my children. Avec mes enfants. Lord, you gave them to me. Seigneur, tu me les as donné. As a blessing. Comme une bénédiction. Not the devil. Maintenant le diable. He wants to take that blessing away. Il veut ôter cette bénédiction. He wants to take my children away from me. Il veut me Lord, ôter I'm mes enfants. Them under the blood of the Lord Jesus Christ. Seigneur, je le réclame sous le sang de Jésus-Christ. Trust the Lord. Fais confiance en Dieu. Believe God. Crois en Dieu. Hallelujah. Amen. Glory to God. Moses said to the people, stand still. Moïse dit aux enfants, restez calmes. Don't be scared. N'ayez pas peur. Stand still. Restez calme. Here they were going on the road with good faith. Alors qu'ils partaient sur leur chemin avec foi. And come to a place where they were totally cut off. Et ils sont parvenus à cet endroit où ils étaient complètement déboussolés. Cut off at the Red Sea. Coupés. Coupés à la mer Rouge. It seems that. Now listen very close. Hein? Suivez attentivement I'm maintenant. I'm talking about you. Je parle de vous. I'm talking about you that are following me online too. Je parle à vous aussi qui me suivez en ligne. It seems as if all nature quivered for them. C'est comme si la nature. The skies couldn't weep. Could have wept. Les nuées ne pouvaient pas envoyer non, de l'eau. Wept, aurait pu pleurer. Le ciel aurait pu. Everything the mountains could have shook. Les montagnes auront pu s'agiter. They were in a terrible condition. Ils étaient dans une condition terrible. Listen, church. They were in a terrible condition. Ils étaient dans une condition horrible. A covenant people. Un peuple sous alliance. As you are. Tel que vous l'êtes. As we are, tel que nous sommes, had come against the blockade, est venu devant un blocage. You and me, vous et moi, come to a blockade, nous venons devant un blocage, in a terrible condition, dans une condition horrible. Brother Branham tried to explain it. Frère Branham essaye d'expliquer. Maybe you are there tonight. Peut-être que tu es là cet après-midi. Maybe you are there tonight. Peut-être que vous y êtes. You cet that après-midi. Are here listening. Vous qui êtes ici. Maybe you are there tonight. Peut-être que vous y êtes. In a terrible condition. Dans une condition horrible. You that are live streaming. Vous qui suivez à la maybe maison. Maybe you are there tonight. Peut-être que vous y êtes. In a terrible condition. Dans une condition horrible. Maybe it's in the way. Peut-être c'est sur votre chemin.
Maybe you got an affliction. Peut-être vous avez une affliction. Maybe you got a habit. Peut-être vous avez une habitude. Maybe it's some besetting sin. Peut-être c'est quelque chose. C'est un péché qui est comme habituel, quoi. La colère, se fâcher tout le temps. Alléluia. Amen. A repeating sin all the time. Un péché qui ne fait que survenir à tout moment. That's a besetting sin. C'est un péché qui se répète. Moses' besetting sin was temper. Le péché qui se répétait chez Moïse à tout moment, c'était sa courbe. He was a nervous man. Tempérance. C'était so un homme you, très nerveux. You know what your besetting sin is. Alors tu sais c'est quoi ton péché qui that survient. That you can't lay down. Que tu ne peux pas abandonner. Something has blocked your road. Quelque chose a bloqué ton passage. Because those besetting sins. Parce que ce péché qui se répète. They can block your road. Ça peut bloquer ton passage. Those habits. Ces habitudes. They can block your road. Ça peut bloquer votre passage. Hallelujah. Amen. Your attitude. Votre attitude. Can block the road. Peut bloquer le passage. Of some blessings. De quelques bénédictions. For you to possess different things in your life. Pour vous empêcher de posséder quoi que ce soit dans votre vie. Hallelujah. Maybe the way you answer people. Peut-être la façon que tu réponds aux gens. Is blocking the way. Ça. Because when you answer people, parce que quand tu réponds you aux gens, cut their heart in pieces, tu déchires leur cœur. And people become a little bit refrained and they take a distance. Et les gens prennent de distance. Maybe you have lost some relationship, you have lost some friend because of the way you answer, the way you reply. Peut-être tu as perdu certaines relations, des amis à cause de la façon but de you are a covenant person. Mais tu es un you are a son of God. Tu es un fils you de are Dieu. A daughter of God. Tu es une fille de Dieu. But that thing has blocked some blessings for mais you. Cette chose a empêché certaines bénédictions. And the world was looking, saying, "Now let's see how much he's going to keep his religion in this kind of time." Et le monde regardait et dire, voilà comment est-ce qu'il va tenir sa religion dans cette période. See, that's the way Israel stood. C'est comme ça qu'Israël se tenut. But Moses said, Moïse a dit, stand still, reste tranquille and see the glory of God. Et observe la gloire don't de Dieu. Get frustrated. Ne t'effustre pas. God is good. Dieu est bon. Hallelujah. Amen. Isn't God wonderful? N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? So many questions. Beaucoup de questions. Who? Qui? How? Comment? Why? Pourquoi? Where? Où? When? Quand? That has no answers. Pas de réponse. A mountain before you. Une montagne devant toi. One day Joshua came down in the month of April. Une fois, Josué est descendu de la montagne. Hallelujah. He's the word what we said. And that was a time if God was figuring out anything, he should have done a poor job. Alors il dit que ça c'est le moment où si Dieu essayait de trouver quelque chose. Si c'était le moment où Dieu voulait vraiment faire quelque chose pour eux, il a fait un mauvais choix, un mauvais travail. Alléluia. Amen. Because the month of April. Parce que la montagne. Le mois d'avril. Was not a good month for them to cross Jordan. C'était pas un bon mois pour eux de traverser Jourdain. Listen. Suivez. He would have made a crossover in the fall of the year. Ils auront pu faire leur traversée dans le printemps de l'année. When Jordan was almost dry. Lorsque Jourdain était pratiquement sec. But it turns right back around cross Jordan when it's at highest in the month of April. Mais ils ont essayé de traverser dans la crue du mois d'avril. You see in the fall. Vous voyez dans le printemps. L'automne. Red River. Le Red River. The water goes down. L'eau descend. In fall, et dans le in fall, yeah. If you go to diversion, et dans l'automne quand tu vas dans diversion, there's no water. Il y a pas d'eau. It's just a little bit. It's just a little stream. C'est juste une petite cour d'eau. But in spring, mais dans le printemps, it's a river. C'est une rivière. Hallelujah! It's a river. C'est une rivière. And you go to Red River. Et tu vas à Red River. You'll see that the water goes so high. Tu vois que la rivière monte tellement. So God. Donc Dieu. He could have made them cross the river in fall. Pouvait faire en sorte qu'ils puissent traverser en automne. But he brought them in the month of April. Mais il les a amenés dans la crue d'avril. Oh God, you know when I had a lot of money,
I have an opportunity, but no, I have no money. No, right now, when you have no money, God can do something. Oh Dieu, tu vois, quand j'avais beaucoup d'argent, je pouvais faire. Maintenant, l'opportunité se présente, j'ai plus envie. Oh, you know, when I had this opportunity, when I had all this, I could have done. No, right now, the way you are in that condition, that's where God wants to move on the scene. Quand j'avais beaucoup d'argent, je pouvais le faire. Maintenant, l'opportunité se présente, j'en ai plus. C'est maintenant là que Dieu veut se faire mouvoir sur la scène. The water should have dried, and then, Lord, now the water is dry. What am I going to do? Maintenant, l'eau est tellement abondante. Qu'est-ce que je veux faire? The snow are melting in Judea. The snow. La neige tombait en melting Judea. In Judea. Tombait and en the Judea. Great Jordan is swelling plumb over the plains. Et le grand Jourdain est accru. And God brought his people to Jordan when she was reaching the highest. Et Dieu a amené son peuple à Jourdain alors que la rivière était en crue. Brother Branham says, Frère Branham dit, I wish I had some way I could place that into the heart of the people. J'espère que j'aurai un moyen de faire entrer ceci dans le cœur de l'homme. Maybe you've been brought against the difficult right in your Christian experience. Peut-être que tu as passé par des difficultés. Non, tu as été amené dans la difficulté. Exactement. Maybe you dans ta you vie have been brought. Peut-être que tu as été amené against the difficult right in your Christian experience. Dans les difficultés, exactement dans ta vie chrétienne. That you question God. Que tu poses de questions à Dieu. Why? Pourquoi? But God wants you to stand still just a moment. Mais Dieu veut que tu restes calme juste un moment. The Bible says, la Bible dit, all things work together for the good of them that love God. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Stand still. Reste tranquille. Don't be alarmed. Ne sois pas sous alerte. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So we have a kind of thinking. Nous avons cette compréhension charnelle. No, when things are going well this way. Alors lorsque les choses se présente bien comme then ceci. It's the right time. C'est le bon moment. Oh God, you know when I had a lot of money. Oh Dieu, tu vois quand j'avais beaucoup d'argent. I could have done this project. J'aurais pu faire ce projet. Now I spend all the money. Maintenant j'ai dépensé tout l'argent. Maybe you spend the money. Peut-être que tu as dépensé l'argent. Peut-être que tu avais épargné de l'argent. Something happened in your life. Et quelque chose se fait dans ta vie. When I was in the Congo. Quand j'étais au Congo. I was saving money. J'épargnais de l'argent. And I look at my bank account in the United States. Et je regardais mon compte bancaire aux États-Unis. And money was growing. L'argent montait. And I told my wife one night. Et j'ai dit à mon épouse une nuit. I said, "Well, it's easy to become rich." J'ai dit c'est facile de devenir riche. I told him that one night. Je lui ai dit ça une nuit. I said, "God can make rich overnight." Et Dieu peut te rendre riche. Because I was not even touching my income. Parce que je touchais même pas mon revenu. Everything was going to my bank account. Tout allait dans mon because compte. I had so many other business that were giving me money. Parce que j'avais plein d'autres affaires qui me donnaient. When I was thinking I was doing well. Lorsque je pensais que tout allait bien. And then something happened. Et quelque chose and a pris place. Everything. Et j'ai tout perdu. It was at that time. C'est en ce moment-là. That God came on the scene. Que Dieu est venu sur la scène. Hallelujah. Amen. It's not when you have all the good things that you think everything is okay. Ce n'est pas quand tu as toutes ces bonnes choses, tu penses que tout va bien. You want to come, then you can tell, no, this is God. No man can do this. This is God. Il veut venir afin que tu dises, ça c'est Dieu. Il y a aucun homme qui peut ceci. Sinon tu diras, see, tu vois, I was very smart. J'étais vraiment intelligent. I did this, j'ai fait ceci, tu and vois, I did that, you et know. Je fais cela, tu and vois, I was able to save et j'étais more. Capable de and parier I did plus, that, et je you fais know. Cela, and I did tu that. Vois, yeah. Et je fais ceci, when tu you vois. Are, when you are in that kind of posture, quand tu es dans cette posture, that means you do not acknowledge God. C'est-à-dire que tu ne reconnais pas Dieu. And God cannot come on the scene. Et Dieu ne peut pas venir because sur la scène. Something happen, parce que lorsque quelque chose va se passer, tu vas te glorifier. Je le fais. Je fais it's cela. Not you doing it. Ce n'est pas toi qui le it fais. Is God doing it. C'est Dieu le fait. So he wants to make it in a way that you acknowledge that it is him. Alors il veut le faire d'une certaine façon pour que tu puisses reconnaître que c'est lui. Alléluia. Amen. He wants you to appreciate him. Il veut que tu puisses l'apprécier. Glory to God. Gloire à Dieu. Do you love the Lord? Tu aimes le Seigneur? Be clear before we move again. God possesses it. Dieu le possède. Exactly. Go and possess it. Sorry. Vas-y et possède cela. It is yours. Ça t'appartient. They had to fight for every inch of the way. Ils devaient combattre pour chaque centimètre but sur leur it chemin. But it was assured.
assured Mais that it will be given to them. Il leur a été assuré que cela leur sera donné. No matter what the result, peu importe le résultat, that the, what the circumstances look like, peu importe quelles seront les circonstances, it was theirs. Ça leur appartenait. God gave it to them. Dieu leur a donné. Hallelujah. No matter how the circumstances look like, peu importe combien les circonstances ont l'air moins. No matter how the challenge may seem at work, peu importe combien le défi in your marriage, in your Christian life, au travail, dans la vie de famille, you should not look at that. You say, tu ne dois God, pas regarder. You gave it to me. À cela dit, God, Dieu, tu me l'as donné. That to me. Dieu, tu me l'as it promis. Shall be as you said. Ça sera comme tu the l'as dit. The challenges are there. Les défis sont là. But I'm looking at what you said in your word. Mais je regarde à ce que tu as dit dans ta parole. You promised me the Holy Ghost. Tu m'as promis le Saint-Esprit. You said the Holy Ghost is for you. Tu as dit le Saint-Esprit est pour for toi. Your children, pour tes enfants. And for those who are afar off, et pour ceux qui sont au as much loin. As our Lord shall call, au plus grand nombre Lord, que le Dieu en appellera. My possession. Seigneur, c'est ma possession. And you said in your word, et tu as dit dans ta parole. In the last days, dans le dernier jour. You shall pour your spirit upon every flesh. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Lord, I'm living right now in the time you promised it shall happen. Seigneur, je vis dans l'époque où tu no as promis que ça devait arriver. Peu importe les circonstances. No matter what the devil trying to show me, peu importe ce que le diable essaie de me montrer. The promise of the Holy Ghost is mine. La promesse du Saint-Esprit est mienne. Oh, Satan. No matter what you do, peu importe ce que tu the fais. Holy Ghost is mine. Le Saint-Esprit the est mien. Holy Ghost is mine. Le Saint-Esprit God est mien. Promised it to me. Dieu me l'a He promis. Shall give it to me. Qui va me le donner. You like it or no, que tu le veuilles ou non. It is my possession. C'est ma That's possession. How you have to speak to the devil. C'est ce que tu dois dire au diable. Because you know where you are standing. Parce que tu sais où est-ce que it tu tiens. Is yours. Ça t'appartient. Hallelujah. Amen. It was assured it would be given to them. C'était, ça leur était assuré que ça leur appartenait. So you see the circumstances. Donc tu vois les circonstances. You see the challenges. Tu vois les défis. But you rest assured. Mais tu restes rassuré. Hallelujah. Amen. One time, Brother Branham. Une fois, Frère Branham. Was in Portland. Était à Portland. Yeah. And there was a maniac. Et il y avait un maniaque. A guy, very big. Un grand homme. He fled from some mental institutions. Il a fui son institution mentale. And few days before, il y a quelques jours passés, he beat a preacher. Il a frappé un prédicateur. He broke his jaw. Et a cassé sa mâchoire. And he was a big guy. Et c'était un homme costaud. And there was a meeting there. Et il y avait une réunion là-bas. Et Frère Branham avait à peu près 5000 personnes dans la réunion. Et il dit que derrière lui, ça s'est plusieurs ministres. Et l'homme est venu dans la réunion. Il a dit à Frère Branham, you snake in the grass. Toi, serpent dans you hypocrite. La brousse. Toi, hypocrite. Oh, you gotta show me today you are a man of God. Tu vas me prouver aujourd'hui que tu es un homme de Dieu. And he had just beaten one preacher few days ago. Et il a tabassé un prédicateur quelques jours passés. They were looking for him. On le cherchait. There was a warrant of arrest. Il y avait un avis d'arrêt. He came in a meeting. Il est venu à la réunion. Everybody knew what the guy did. Tout le monde connaissait ce que le monsieur avait fait. Il est ici. On va faire quoi? And all the preacher that was behind Brother Branham. Tous les prédicateurs qui étaient derrière Frère Branham. Ils ont fui. Run for their lives. Ils ont pris fuite. Brother Branham stayed alone. Frère Branham est resté seul. Hallelujah. Amen. And then the man came. Et l'homme est venu. He was coming towards Brother Branham. Il venait vers Frère Branham. Brother Branham stood still. Frère Branham est resté calme. I was looking for that quote, but I couldn't find it. J'ai cherché cette citation. Where Brother Branham said, Frère Branham dit, he was in a certain atmosphere. Il était dans une certaine atmosphère. Hallelujah. Amen. And when that man was insulting him, et lorsque cet homme l'insultait, and spit on him. Et la salive sautait sur lui. Il a craché sur lui. Yeah. So he was actually trying to get Brother Branham to get out of that atmosphere. Il essayait de sortir Frère Branham de cette atmosphère. So sometimes at home, parfois à la maison, don't get outside of that atmosphere. Ne sors pas de cette atmosphère. If you are being questioned and say things that you sometimes have just stand still. On te lance de choses, parfois Because reste calme. Because as soon as you come out, you want to speak, and it becomes a fight. Parce qu'une fois tu sors de l'atmosphère, tu essayes de parler, voilà, ça se transforme en bagarre. Stay where you are. Reste là où tu es. Say, oh God. Dis au Dieu. Bless my brother. Bénis mon frère. Bless my sister. Bénis ma sœur. Help me, Father. Aide-moi, Seigneur. Stay there. Reste so, là. So
The guy came. Donc l'homme est venu. He stood still. Il est resté calme. He came close. Il est venu proche. He could feel the breath of that man. Frère Branham dit, je pouvais sentir la respiration de cet homme. Right in front of his face. Juste devant son visage. Say, you hypocrite. Il a dit, toi hypocrite. Snake in the grass. Serpent dans l'herbe. I couldn't say nothing. Frère Branham a dit, je ne pouvais rien dire. I just kept quiet. Je suis resté calme. Because there was nothing I could say. Il n'y avait rien que je pouvais dire. He spit on Brother Branham, just stay quiet. Il a craché sur Frère Branham, il est resté calme. Brother Branham said, Frère Branham dit, Lord, something happened to me that day. Dieu, quelque chose m'est arrivé ce jour-là. I wish I experienced that all the time. J'espère expérimenter cela chaque jour. Because it was special. Parce que c'était spécial. Il dit, Dieu, j'espère que je veux expérimenter des moments comme ça à tout moment. He just experienced peace. Il a dit, j'ai expérimenté la paix. Calme. Le calme. And love for that man. Et l'amour pour cet homme. Hallelujah. Amen. And love for that man. Et l'amour pour cet homme. He kept quiet. Mais il est resté calme. He just kept quiet. Il est tout simplement resté calme. And then the angel of the Lord spoke. Et l'ange du Seigneur a parlé. Ah, that was the time. Alors là, c'était le moment. And Brother Branham spoke. Et Frère Branham a parlé. Because you have defied the Spirit of God. Parce que tu as défié l'Esprit de Dieu. Today you are going to fall on my under my feet. Aujourd'hui, tu vas tomber à mes pieds. Say me. Il a dit moi. Fight, fall on your feet. Tomber à tes pieds. I'll show you. Je vais te prouver. Is it going like this? Alors qu'il voulait faire ceci. Il est tombé. He fell on Brother Branham's feet. Il est tombé aux pieds de Frère Branham. And I forgot to tell there was a Brother Branham said there were two police officers that he brought to the word. They believed the word. Et j'ai oublié de mentionner que Frère Branham a dit il y a deux officiers de police qui étaient là qui l'a porté à la parole. And they were in the meeting. Ils étaient dans la réunion. And when they saw the men coming to attack Brother Branham, lorsqu'ils ont vu l'homme venir attaquer Frère they Branham, ran. Ils ont couru to catch that man. Pour arrêter cet homme. Brother Branham just lift up his hand. Frère Branham a soulevé sa main. It's not carnal, it's spiritual. Il a dit, c'est pas physique, c'est spirituel. You know what happened after that? Tu sais qu'est-ce qui s'est passé après cela? When that man fell, lorsque cet homme est tombé, he could even wake up, il pouvait même plus se tenir debout. He gave his life to God. Il a donné sa vie à Dieu. Hallelujah. Amen. And Brother Branham said, et Frère Branham dit, the meeting, la réunion, people that came with wheelchair, les gens qui sont venus sur des chaises just roulantes, by seeing that, juste en voyant cela, people left their wheelchair. Les gens ont quitté leurs chaises those roulantes. Sick, ceux qui étaient malades, healed. Ils étaient guéris. Just by that scene rien that que happened. Par cette scène qui and se passait. Said, the meeting, that was the end of the service. Et Frère Branham dit, ça c'était la the fin du service. L'onction est venue. When people saw the power of God, lorsque les gens ont vu la puissance the de Dieu, demons down. C'est là. Even those who in wheelchair, they left their wheelchairs. C'est là a guéri même ceux qui étaient sur les chaises roulantes. Alléluia. God is still God. Dieu est toujours He Dieu. Hasn't changed. Il n'a pas the changé. Same angel of the Lord. Il dit ce même ange du Seigneur. He is with you. Il est avec vous aujourd'hui. Stand still. Restez calme. Know that he is God. Et sachez qu'il est Dieu. At the right time. Au bon moment. He's going to inspire you. Il va vous inspirer. Give you the right word in your mouth. Mettre des paroles correctes à votre bouche et quoi faire et quoi dire. N'essaye pas de t'imaginer. Abandonne-toi simplement Lord, de la main du Seigneur. Dis Seigneur, speak in my stead. Parle pour moi. Lord, dis Seigneur, fight this battle for me. Combat pour moi. I can't do it myself. Je ne peux pas le faire moi-même. Hallelujah. Amen. So the Bible says, alors la Bible dit, commit thy way unto the Lord, abandonne tes voies au Seigneur, and trust also in him, et fais-lui confiance, and he shall bring it to pass, et il va amener toutes choses à s'accomplir. Hallelujah, it's Psalm 37. Psalm 37. I'm finishing now. Rest, it says, he shall bring forth thy righteousness as the light and thy judgment as the noonday. So God is going to fight for you. Alors Dieu va combattre pour toi. Rest in the Lord. Demeure dans le Seigneur. Repose-toi. And wait patiently for him. Et attends-le patiemment. Fret not thyself because of him who prospers in his way. Because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger and forsake wrath.
Fret not thyself in any wise to do evil. Hallelujah. Amen. And he said in the message life story, if someone talks about you, you talk back about them, God can't fight your battle. Si quelqu'un parle mal de vous et que vous répliquez, Dieu ne peut pas combattre pour vous. You are fighting it yourself. Vous combattez vous-même. You see, just let loose. Let him do it. Accepte de perdre. Laisse-toi faire. The greatest weapon. La plus grande arme. That I know of a Christian today. Que je connais d'un chrétien aujourd'hui. Is committal to God. C'est s'abandonner à Dieu. When you can't do nothing about it. Quand tu ne peux plus rien. Just commit it to him. Quand tu peux plus rien faire, abandonne ça. Entre ses mains et Dieu va prendre soin. Stand still. Reste tranquille. And know that I am God. Et sache que je suis Dieu. Stand still. Reste tranquille. And know that I am God. Et sache que je suis Dieu. As the musician comes. Alors que les musiciens s'approchent. Hallelujah. But I'm saying it's the most powerful thing that I know of is committal. Frère Branham dit que c'est la plus grande chose que je sais, c'est s'abandonner à lui. Commit thy ways unto the Lord. Abandonne tes voies à Dieu. Commit your thinking to him. Abandonne tes pensées à lui. If you are sick, si tu es malade, and the doctors can't help you no more, et les docteurs ne peuvent plus t'aider, just commit your case to God and act like it's already done. Abandonne-toi à Dieu et agisse comme si c'était déjà fait. When Brother Branham saw the killer bull, lorsque Dieu a vu le taureau tueur, and that killer bull had killed few months ago, et ce taureau tueur avait tué quelques mois auparavant, a colored man, un noir, and Brother Branham was passing through the farm, he did not know the bull was there. Et Frère Branham passait par la ferme, il savait pas que le taureau était là. And he encountered the bull. Et il a rencontré le taureau. There was no tree to run. Il n'y avait aucun arbre pour courir. There was no bush, there's nothing. Il n'y avait rien du tout autour. Le frère m'a dit, he stood calm, il est resté calme. And peace came to him. Et la paix est venue en lui. And he spoke to the bull. Il a parlé au taureau. Go back. Rentre. Amen. Amen. I'm going to do a job for our creator, my creator and your creator. Je vais faire un travail pour notre créateur. I'm sorry to disturb your sleep. Je suis désolé d'avoir dérangé ton sommeil. Please go. It was not my intention. C'était pas mon intention. Go back to sleep. Retourne dormir. Et le taureau went back. Le taureau est retourné. Hallelujah. Amen. Can you imagine if he would have seen it start running? You can't outrun a bull. Imaginez-vous s'il devait courir devant le taureau, mais il ne pouvait pas le dépasser. Il est plus rapide que lui. Alléluia. Whatever problem that you go through. N'importe quel problème que tu traverses. I want God's way. I want to do thy will, Lord. Je vais faire ta volonté, ô Seigneur. Let us stand. On peut se lever. Take me, break me, mold me.
par le Seigneur. Did he speak to you? Est-ce qu'il vous a parlé? Did you receive something from God tonight? Avez-vous reçu quelque chose du Seigneur aujourd'hui? Where are you standing today? Où est-ce que vous vous tenez aujourd'hui? What is your mountain? C'est quoi votre montagne? What is that sea that you cannot cross? Quelle est cette mer que tu peux pas traverser? It's the same yesterday, today, and forever. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Stand still. Restez tranquille. Know that I am God. Sachez que je suis Dieu. Stand still. Restez tranquille. Be still. Soyez calme. Trust me. Ayez confiance. You shall see the deliverance of the Lord. Et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Maybe it's a demon that torments your life. Peut-être c'est un démon qui tourmente votre vie. A besetting sin. Un péché qui se répète. A problem with someone. Un problème avec quelqu'un. A sickness. Une maladie. A problem with your work, with your papers, with immigration, whatever it might be. Un problème avec ton travail, l'immigration, stand ou quoi still. Que ce soit. Restez tranquille. He is God. Il est Dieu. Don't panic. Ne paniquez pas. Don't be afraid. N'ayez pas peur. Possess the land. Possédez le pays. Claim it. Réclamez. God gave it to you. Dieu te l'a donné. In the name of Jesus, raise up your voice. Au nom de Jésus, élevez. Speak to the Lord. Say, God, you have promised unto me parle the baptism of the Holy Ghost. Oh tu m'as promis le baptême du Saint-Esprit. Oh no matter the circumstances, the challenges, ben the Holy Ghost is mine. Les défis, confess it and believe it. Le Saint-Esprit m'appartient. Confessez-le et croyez. Lift up your voice. Élevez vos voix. Lord, I'm claiming my children. Je réclame mes enfants. Under the blood of the Lord Jesus Christ. Sous le sang oh God, save them, deliver them, oh God. Sauve-le et délivre-le. Because there are blessings that you've given me. Parce que c'est une bénédiction que tu m'as donnée. The devil wants to take it away. Et le diable veut me l'arracher. Lord, I'm claiming them under the blood in the name of the Lord Jesus Christ. Lift up your voice. Au nom du Seigneur. Keep on praying and speak to the Lord. Continue à prier et parler au Seigneur. He's here to listen to your cry. Il est ici pour écouter vos cris. Listen to your humble cry. Écoutez votre humble cri. Raise up your voice. Élevez vos voix. Speak to him. Parlez. Thank you, Lord Jesus. Yes, my brother, is your only real peace. Yes, my sister, do not panic. He is your only real peace. You young people, do not panic before the Goliath of this hour. Stand still. Know that he is God. Trust him. He's going to deliver you. Tell him, oh God, you promised and you said that you are a mighty tower. You are a place of refuge. Oh God, I need your protection. You are my protection, oh God. Speak to him. He's here for you. He wants to hear your humble cry. Your faith will make God stand still. Will make God stand still and look at you and look at your problem and fight your battles. The battle is not yours, it's of the Lord. Trust him and believe him. You don't have any chariot to trust. Your trust in his word that cannot fall, that cannot fail. Hallelujah. He's here for you. He's here for me. He's here for each one of us. Wherever you are, God is there for you. Raise your voice. Open up your heart. He wants to bless you. He wants to move on the scene. But he wants you to stand still before he could do anything. He commands us to be still. He's here for you, brother. He's here for you, sister. Wherever you are, he's there for you, brother. He's there for you, sister.
Don't be scared. Trust him. Serve him with your whole heart. Come back to him quickly. If you've gone astray, he's here for you. Thank you, Lord Jesus. Tonight, why don't just raise up your hand? Si tu veux qu'on se souvienne de toi ce soir, say, Lord, teach me to stand still. Seigneur, enseigne-moi à rester tranquille. Lord, take nervousness away. Enlève la nervosité, oh Seigneur. Lord, I want to trust you. Je désire avoir confiance. Oh God, help me build the muscles of stillness. Aide-moi à bâtir les muscles de la tranquillité. Lord, teach me to keep quiet. Et enseigne-moi à garder le calme. And to see the deliverance of the Lord. Et voir la délivrance du Seigneur. The multitude of my worries won't change my condition. La multitude de mon inquiétude ne va pas changer la condition. But faith in thy word will do it, O God. Mais la foi dans ta parole va le faire. Lord, raise me, O Father. Élève-moi, O Seigneur. Let me overcome that affliction. Que je puisse vaincre l'affliction. Let me overcome that besetting sin. Que je puisse vaincre ce péché qui revient. Let me overcome that problem that torments my life. Que je puisse vaincre le problème qui me tourmente. Give me victory over my marriage. Donne-moi la victoire dans mon mariage. Over my family. Dans ma famille. Over my children. Sur mes enfants. Over my brothers and my sisters. Sur mes frères et sœurs.
Over my job. Au travail. Over anything, oh God, I'm here, Lord Jesus. Sur toutes les choses, oh, je suis ici, Éternel. He's here for you. Il est ici pour toi. If you believe, si tu that he's here for you. Il est ici pour toi. The angel of his presence is here. L'ange de sa présence just est ici. Just lift up your hand. Lève not to me, but to him. Pas vers moi, mais wherever vers lui. You are. Où que tu sois. As I'm going to pray. Alors que je vais prier. Believe. Quoi? And trust him. Et confiance our en gracious Heavenly Father. Gracieux Père Céleste. We thank you for your love and grace. Merci pour ton amour et ta grâce. You see the hands, Lord, that have gone up. Tu as vu les mains qui sont levées. They didn't raise their hands to me. Ils ne les ont pas levées pour moi. They raised those hands out to you. Ils ont levé les mains vers and toi. And Father, you know the needs behind every hand. Père, tu connais les besoins derrière chaque main. For those who are here in the building. Pour ceux qui sont ici dans la bâtisse. And for those who are in their homes right now. Et pour ceux qui sont dans leur maison. The angel of your presence is where they are. L'ange de ta présence est oh là où ils sont. Oh God, it's not their battle. It oh, is your battle. Pas leur bataille et c'est ta bataille. Lord, I pray that today you move on the scene. Je prie que tu puisses and venir sur la scène. Help your children to stand still. Et tes enfants à rester tranquilles. Because you said in your word. Parce que tu as dit dans ta parole. Before you move on the scene. Avant que tu descendes sur before la scène. Before you do anything. Avant que tu fasses quoi que ce you soit. Want your children to stand still. Tu aimerais que tes enfants Lord, restent tranquilles. Today et j'ai prié aujourd'hui, that Seigneur, your children que tes enfants may stand still qu'ils restent tranquilles before the challenge, devant les défis, before the affliction, devant les afflictions, before their problems, devant les problèmes, whatever situation they may go through, peu importe les situations qu'ils traversent. In the name of Jesus Christ, au nom de Jésus Christ, you have given us the land. Tu nous as donné le pays. We possess it in the name of Jesus Christ. Nous le possédons au nom de Jésus you Christ. You have given us good health. Tu nous as donné la bonne santé. We possess it in the name of Jesus Christ. La possédons au nom de Jésus Christ. You have given us children. Tu nous as donné les enfants. We possess them in the name of Jesus Christ. Nous les possédons au nom de Jésus Christ. You have given us husband, tu wife. Tu nous as donné les maris, les épouses. Oh God, we possess the blessings in the name of Jesus Christ tonight. Nous possédons les bénédictions au nom du Seigneur Jésus Christ. Oh mighty God, Lord Jesus. Dieu tout puissant, Jésus there Christ. There are those who are waiting for the immigration papers of God. Il y en a qui attendent les papiers d'immigration. Lord, we possess this land in the name of Jesus Christ. Possédons ce pays au you nom de Jésus. You say every place the soles of your feet shall tread is yours. Où que poulera la plante de ton pied, c'est là. And in the name of Jesus. Et au nom de Jésus. We give them the blessing tonight. Nous leur donnons les bénédictions ce soir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let them receive the Holy Ghost tonight. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ce soir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let them be delivered tonight. Qu'ils soient délivrés ce soir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let them overcome tonight. Qu'ils puissent vaincre ce soir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let them triumph over the world. Qu'ils puissent triompher sur le monde. Over pornography. Sur la pornographie. Over Hollywood. Sur la Hollywood. Over sex revolution of this age, oh God. Sur la révolution du sexe. Give victory to your children, donne la victoire à tes enfants, oh Dieu. Fill them with the Holy Ghost and power. Remplis les Saint-Esprit de la puissance. Let them rise up as a mighty army in the name of Jesus. S'élève comme une armée puissante. As a testimony of your grace. Comme témoignage de ta grâce. We thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur. Because you've answered our prayers tonight. Parce que tu as répondu à nos questions. We thank you for the angel of your presence. Merci pour l'ange de ta présence. We thank you for the pillar of fire. Merci pour la colonne de feu. We thank you for the angel of the covenant. Merci pour l'ange de la moving among your children. L'alliance qui se met parmi tes enfants. We thank you, Lord, for the shout of the king that is in the camp. Nous te remercions pour l'arche du roi qui the est dans shout le of the king. Le cri du roi qui est dans blessed notre camp. Your name, oh God. Béni soit ton nom. We thank you, Lord, tonight. Merci Seigneur ce soir. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. And thank you for your word. Merci pour ta parole. Give strength to each and every one. Donne la force à chacun. Until we meet again, oh Father. Jusqu'à ce qu'on se voit encore. In the name of Jesus, we are praying. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur. Let's sing the song. Be not be dismayed. God will take care of you. Thank you.